Bonjour et bienvenue à Pokémon version Éclat Pourpre, épisode numéro 23. Alors, tout de suite après l'épisode 32, j'enchaîne, sans tarder, pour... et ça va être un épisode donc spécial légendaire. Donc on va rentrer Lingiluens Lossé, enfin Loqué. Non, pas résumé. Déposé dans la boîte équipe et récupérer Brazegali. Sac. Je lui donner quoi comme objet? C'est l'œuf chance, ça ne sert plus à rien puisqu'il est niveau 100. Crodragon, vieille ambre. Bracelet macho, non. PP plus. Qu'est-ce que je peux lui donner? Bon, on va rester fidèle au reste. Premier Pokémon niveau 100. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. On va pas faire de détour pour rien dans le. Comme à l'épisode précédent, le 32. Cette fois-ci. J'ai ce qu'il faut. Cette grotte est sombre. Oui, elle est sombre. C'est une question. Bon, Max repousse. Hein. Alors, il est vers la fin, Max repousse. Pchit! Description du manuel officiel de Pokémon Rouge et Bleu. Vaporisé pour éviter les rencontres aléatoires. C'est ce qui est écrit sur le guide du jeu, hein, dans les deux premières versions sur Game Boy. Hein. Vous vaporisez pour éviter les rencontres aléatoires. Monte sur Arcana pour ne... Une phrase coupée. Oui, on adore couper les phrases. Bon, ben, je vais vous épargner de le fait de me tromper de chemin comme la dernière fois. Donc, il ne faut pas prendre l'échelle. Enfin, oui, c'est ça, il faut pas prendre l'échelle. Hein. Voilà. Pouf! Cette fois-ci, vous allez bouger. L'orbe rouge fait réagir les Pokémon. Il fuit. Dégagez, Racaillou. Volcan. Alors, attention, il va y avoir une musique. Où est-ce que ce bug là? Attendez. Il y a eu un bug. J'aime pas les bugs. On va seul. Ok, bon, ça va être. Allez, sauvegarde. Attention, musique épique. Attends, il faut que je regarde. Ouais, surtout pas Tyranocif en premier. Je vais mettre qui du coup en premier? Florizor. Allez, on sauvegarde un coup. Ouais, parce que le coup de lancer une tempête de sable pour capturer un légendaire, non merci. Hein. Roudon sauvage apparaît, niveau 80. C'est pas quoi. Génie. Ah, je peux pas casser sa météo. Je vais pas l'empirer quand même. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de donner les restes. Oui, il y a feu de dos. Bomber, ça devrait pas one shoot. Ouah, il a fait mal. T'as fait vraiment mal là. Hein. Le problème, c'est que j'ai plus moyen de. De l'affaiblir plus. Alors, est-ce que j'ai une balle qui lui correspond? Filet, non, non, non. Bah, j'ai que la chronomètre, la hyper bonne. Ah, je pensais pas que Bomber fait autant de dégâts. Hein. Alors, l'eau de consolation, le taux de capture de Groudon et Kyurg, c'est 5 sur 255 au lieu de 3 sur 255. C'est toujours 66% de probabilité en plus. Il se réveille. Oh, le soleil. Ce n'est vraiment pas du tout efficace. 16 dégâts. Par contre, ce que je crains, c'est la déflagration. Les rayons du soleil sont forts. Sac. Hyperbole. Bon, je pense qu'on va accélérer un petit peu. Hein. Et on fait son lance-soleil, éclate-toi de ton lance-soleil. Hein.
type plante poison, c'est extrêmement résistant. Hein. C'est super efficace. Ce qui me gêne, c'est qu'il a quand même le tiers de sa vie, donc... il est pas bien affaibli, j'ai peur que ça dure trop longtemps. Et il a fait quoi là? Il a fait repos là, je pense. Du coup, je vais tenter autre chose. Et boum. Ok. Dodo. Ça donne une idée. Bomber. Ah bah voilà, il est dans le rouge. Et non, j'ai plus de... je suis prioritaire. Il a voulu me faire un bim. Hein. Voilà, là il est dans le rouge. Bon, on va déjà lancer des chronoballs. Oh, succès critique. Allez. Et voilà, quand il est dans le rouge, ça rentre. Attends, je remets la musique. C'est beaucoup plus efficace quand il est dans le rouge. C'est tout l'art d'affaiblir les Pokémon. Ouais, par contre, éboulement de Dractac, ça n'a rien fait comme dégâts. Alors, Groudon, continent. Non, c'est du goudron. Le bitume des routes. Hein. Ce Pokémon légendaire incarne la Terre. Il plongea dans un profond sommeil après un combat avec Kyogre, qui est un orque. Les polars, hein, le mammifère marin. Donnez un surnom, Groudon capturé. Non. Oui, vous savez, le mammifère, le Sauvé Willy, là. Pour les nostalgiques. Ouais. Bon, je m'en peux m'emmerder. Corde sortie. Allez, allez. C'est bon, je peux descendre ici. Allez, maintenant on va se faire Kyogre. Corrigir. Donc du coup, il va falloir que je récupère Linguilocé, forcément. Parce que j'ai besoin de plonger. Bon, cette fois-ci, je m'amuse, je prends ma bouteille d'oxygène. Hein. Je veux pas m'amuser à retenir ma respiration pendant que je combats un légendaire. Non, je rentre. Ben, lui, ça servira à rien. Non, pas résumé. Déposer. Dans équipe. Déplacer Pokémon. Retirer. Déplacer. Stopper. Tu vas dans légendaire, toi, parce que t'es un légendaire. Légende. Résumé. Il est malin. Il est rencontré un volcan. Repos, abîme, lance-forêt, éruption. Donc comme il avait le tiers de sa vie, ça n'avait que 50 de puissance. Hein. Et non pas 150. Puisque c'est proportionnel au nombre de PV restant. Oui bon, l'effet de repousse, on s'en fout. Du coup, je mets qui en premier? Le Floriseur, c'est bien. J'ai soigné mes Pokémon, d'ailleurs j'en ai d'autres. Ouais, c'est bon. Ouais, il m'a resté dessus. Oh, c'est un overkill, un coup critique, stabé, dégâts fois 4, c'est pas mal. Tiens, d'ailleurs, ça c'est visuel. Non, pas d'accès au bâtiment. Allez hop, tentacruel. Ah, bien sûr, j'aspirais de la merde. Bon, je suis full vicieux. Salut, tu sais plonger? Oui, oui, allez. On retrouve notre Léviator chéri. Alors, par contre, je ne me souviens plus. Où étaient les marines qui nous bloquaient le chemin? Ah, il me semble que c'était tout droit. Ouais, c'est ici. Juste abri. Bon, vous allez me lâcher la grappe. Alors. Alors sac, cette fois-ci je vais pas faire la même erreur que tout à l'heure. Reste, donner. Donner. Alors c'est un Pokémon haut. Hein. Ouais mais ça tombe. Quoi que je le suis donné à lui, tiens. Allez, bougez les marines. L'orbe bleue fait réagir les Pokémon. Il fuit! Dégagez, Pokémon qui sert qu'à vous troller. Là là, cette fois-ci, j'ai ma bouteille d'oxygène. Mais c'est beaucoup plus marrant.
Bon, on va sauvegarder comme d'habitude. Hein. Voilà. Bonjour. Musique épique, bien sûr. Hein. Voilà. Musique de Pokémon légendaire ON. Génie. Oui, faire tomber de la pluie sous l'océan, c'est sûr, c'est... Alors qu'on est dans les profondeurs marines, hein. On va pas comprendre pourquoi. Tu vas faire un gros dodo. Bon, cette fois-ci, je ferai pas la même erreur qu'avec Suicune. Je sais que c'est un Pokémon O, d'ailleurs c'est le seul Pokémon légendaire O avec Suicune. Hein. Donc ça sera filet ball. Et oui, un orc, ça se capture avec un filet. Un filet pour baleine. Bon, Bloomberg, comme il est endormi. Oh, il a une sacrée défense, mais. Hein. Ouais. D'ailleurs, je vais pas l'achever. Giga Sensu, je peux y aller direct. Bon, ne fais pas de coup critique, Florizer, bien sûr. Hein. Ouais, je trouve pas très bien affiné quand même. Ah bah tiens, je sais ce que je vais faire. Ou pas. Ça résiste à quoi le type pot acier? Attends, je regarde un truc, résumé. Parce qu'il n'est pas assez bien affiné pour moi. Alors attaque SP 280. Et lui il a 236. Donc si je fais une attaque surf, même si elle est stabée et boostée pour la plus, ça devrait pas lâcher. Vas-y, fais de l'eau. La pluie, on s'en fout. Surf. Ouais, j'ai clé d'eau, ça va rien faire. Ah quoi, coup critique. On reset. Ctrl R. Donc, c'est pas de la triche, c'est tout à fait légite. Bon, voilà. Chaos accidentel, hein. Tout le monde fait ça avec les Pokémon légendaires. On recommence, donc musique épique. Hein. Donc, cette fois-ci, je vais pas y aller de même mort. Giga Sensu deux fois. Voilà. Ok, Giga Sensu. Voilà, là, il est bien dans le rouge. Donc, je lance mon filet à mort. Oh, ton sauvage te réveille. Hein. Oula, il a Damoclès. Merde. Ça, c'était pas prévu. Donc, du coup, il peut se tuer. Non, non, c'est un gros dodo, s'il te plaît. J'ai 13 chances ennemies sur 255 de le capturer avec cette balle. Glaciation, non, ça marche pas sous l'eau, la glaciation. L'eau est stabilisée à 4 degrés dans les profondeurs marines. Bon, il va rentrer dans le filet. Ah, il est difficile de capturer Willy, hein. Giclédo qui fait rien parce qu'il est presque mort. Ok. Attends, on va faire contrement. Voilà, c'est la. Pour info, c'est la quatrième fois que je recherche la sauvegarde. Kyorg me fait de la résistance. Parce qu'il a une attaque qui le met KO. Damoclès. Et donc, quand je le mets dans le rouge, ben, il se met KO. Il me fait une Damoclès. Et il se met. Voilà, quatrième essai de capture. Alors, musique épique. Et malgré le fait que je lance des filets balls et que j'ai 13 chances sur 5. 13,5 chances sur 255 de le capturer. Parce que bon, il est dans le rouge avec sommeil. Allez, vas-y, dodo. Allez, on va l'intimider. Alors, Mastrad, du coup, c'est d'intimider avec mes deux dragons. Je fais une giga sensu quand même. Voilà, Damoclès, là, c'est l'attaque que je déteste. Allez, on refait un deuxième cycle. Voilà.
Voilà, intimider 3 fois, intimider 3 fois. Oh bah tiens, on va se switcher encore 2 fois. Intimider 5 fois. Et intimider 6 fois pour le dragon. Les Loki. Non, il faut dire les Loki. Les Loki, les Loki. En pluriel, ça se dit Loki. Dans la langue elfique. Lingui-Loki. Non, lui, Lingui-Loki. Et Izi-Loki. Donc, maintenant qu'il a l'attaque au minimum. Vas-y, fais-moi une gicle d'eau avec pleine puissance. Type plante, ça résiste. Et Florizant a une super défense. Donc, Giga Sensu. Giga Sensu. Il est même pas dans le rouge, fait chier. C'est pas grave. Ça laisse un peu de marge. Alors, Filébo, c'est reparti pour le 4ème essai. Alors, je garde l'accélération. Oh, ouh, du deuxième coup. Alors, je remets la musique normale. Bon, tant pis, vous aurez pas entendu la musique longtemps. Hein, ça a été assez rapide. Il est rentré dans le filet, Willy. C'est bien. Maintenant, tu seras vendu à un parc d'attractions animaliers. Alors, Kyorg, bassin marin, ce serait les fortes pluies que peut invoquer ce Pokémon qui aurait rendu les anciens si vastes. Il a le pouvoir de maîtriser l'eau. Oui, je vais l'appeler Willy. Non, allez. Sauvez Willy. Allez, on peut quitter cet endroit. La lune. Du coup, Pokédex a dû bien monter. 379. Il me reste plus que 7 Pokémon à capturer. 7 légendaires. Serpent, grand sang-fou, giga sensu. Allez, blablabla. Je vais remonter, oui, j'ai bientôt plus d'oxygène dans ma bouteille. Alors, maintenant, on va aller... Alors, vol sur mon dragon favori. À Villa Canris. Soit nous avons une ville souterraine, mais on peut y accéder par les airs. Hein. Alors, je n'ai pas besoin de... Alors... Ligou et l'océan. Attends, on va récupérer les restes, quand même. Déposer. Déposer. Équipe. Retirer Pokémon. Groudon et Kyurk dans les légendes. Bah lui. Même si... Attends. Attends, déplacer Pokémon. La boîte légende, s'il vous plaît. Non. Résumé. Il est mal poli. C'est pas bien ça. J'ai l'impression qu'il y a une super stat. Voilà, Damoclès, l'attaque est tellement énervé parce qu'il se mettait KO tout seul. Et il avait repos, hein. Lui aussi, il avait repos, ouais. Ils ont tous les deux une attaque qui tue le Pokémon sur le coup, hein. Tour de Zam. Attends, on va mettre... Morantard. Parce que c'est un Pokémon ténébreux. Et... Alors, c'est où l'échelle là? Mâchouille. On va mâchouiller du fantôme. Alors, je sais pas comment on peut mâchouiller un fantôme, mais bon. Ouais, techniquement, c'est vrai. Hein. Comment vous mâchouillez du fantôme? Non, non, non. Foufou rêve. Merci de m'avoir balancé. Donc du coup, faut que je... Non, j'ai pas besoin de le lire. La musique la plus triste du jeu. Lolo. Ah, c'est vrai qu'elle est vraiment morbide, cette musique. Alors, deux échelles, je sais plus laquelle c'était. Non, je ne veux pas 1000 milliards de cigarettes. Ouais, c'est celle-ci. Plus on met une bougie haute dans cette tour, plus le vœu est puissant. Une milliard de cigarettes. Non, je ne fume pas, désolé. Tour des âmes. Ah, une échelle est apparue. Qui a placé une échelle ici? Ils ont changé la musique. Alors on va surtout pas mettre lui en premier. Hein. Quoique il a Airlock, donc du coup il est. Il ignore les climats.
Eh oui, il verrouille l'air. Donc potentiellement je peux le mettre en premier du coup. Mais je pense que je vais mettre... Non, on va éviter lui parce qu'il se prend une attaque de type dragon, ça va faire mal. Donc ça peut être intéressant. Voilà. On va faire un test. Sauvegarder, c'est hyper important. Là, sauvegarde. C'est parti. On va faire un test. Musique épique. On fait une cause au niveau 80 appareils. Intimidation. C'est important l'intimidation. Bon, Draco Griffe, ça va le one shoot à mon avis, donc je vais faire éboulement. Ah mais il a raté son attaque. Ah ok, il a repos, bon à savoir. Et j'aviserai selon le nombre de dégâts qu'il fait. Oh, stop stop. Ok, je le one shoot. On reset. On recommence. Je recommence. Ok, je fais un test. C'est du test. One shoot. Ok, donc colère me touche. Et éboulement le one shoot. Alors Draco Griff qui est stable, j'en parle même pas. Hein. Donc ça veut dire qu'Easy Loki tape trop fort. Il va falloir que je fasse une autre stratégie. On va essayer l'Xtaranga. C'est reparti pour une nouvelle musique épique. Qu'est-ce que je vais faire comme attaque? Premier tour, allez. Ultra laser. Ok. Donc là, il a un PV, c'est génial. Dodo. Alors, donc, il a vitesse extrême, repos, ultra laser et colère. Alors, ce qui me fait peur avec l'attaque colère, c'est que s'il devient fou, bah, il va s'achever. Alors, on n'a pas de Master Ball. Ça sera hyper bon. Allez. Courage. 6 chances. Non, je sais même plus combien j'ai de chances. Non, 12 chances sur. Non, c'est 12 chances sur 255. Donc en fait, avec la Philo Ball, je m'étais trompé. C'était 18 chances sur 255 en fait. Un chouïa moins parce qu'il n'est pas à 1 PV, hein. Mais c'est négligeable. Il fait son attaque colère. Quoique si je l'endors, je sais pas si ça interrompt la colère. Je pense que ça l'interrompt. Allez, une chance sur 21 de le capturer. Fait mal. Hein. Ouais, il est presque mort. Du coup, on va le soigner d'urgence. Bon, hyper potion, ça suffit. Je préfère pas perdre l'OTC. Hein. Oui, il est rentré. Voilà. Et Rayquaza est en boîte. Ça m'apporte des chances l'hyper potion. Rayquaza, alors, c'est cieux, donc il y a plusieurs ciels. Rayquaza a vécu pendant des centaines de millions d'années dans la couche d'ozone de l'atmosphère. Quand il vole, on croit vraiment un météore. Et sa méga évolution est trop classe. Non, merci. Donc c'est un dragon d'Extrême-Orient. Hein. Voilà, c'est l'équivalent du Piliceste. Et comme j'ai la flemme... Je vais prendre une corde sortie. Oui, j'ai pas envie de retaper tout le retour. Une là. Fil d'Ariane, ça s'appelle. Allez, hop, sortie. Voilà, ça évite de se retaper tout le retour. Donc, on a fini les légendaires, c'est bon. À l'épisode suivant, ben, on se fera encore d'autres légendaires. Ouais, parce qu'il y a plein de légendaires à capturer. Allez, je sauve mes Pokémon. On va sauvegarder ici. Attendez, on va quand même voir Rayquaza. Non, les légendes. Non, résumé. Il est jovial. Alors,
il a 160 de défense. Herlock ignore les effets du climat. L'attaque a fini de tuer Forizard. Donc il reste quoi capturé comme légendaire? Attends. Il reste donc New Mewtwo, mais ça c'est lié à la quête principale. Donc tous les légendaires de jetons ont été capturés. Donc il manque Latios, Latias, donc Mew Mewtwo et Deoxys Jirachi. 6 Pokémon et le Pokédex est complet. Qu'est-ce qu'il en pense le professeur Filao là? J'ai hâte de te voir remplir le Pokédex. Il dit toujours la même chose. Du premier Pokémon capturé en 385e, c'est la même chose. Allez, on se garde. Merci d'avoir regardé. Le jeu, on s'approche bientôt de la fin de ce jeu.